Hello, bonjour à tous et à toutes, ici Hélène et Chabi, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Ça faisait très très longtemps. J'y suis allée par hasard ce matin parce que je sortais faire des courses et que mon action est juste à côté de mon carrefour. Je ne pensais pas retrouver des nouveautés, finalement si. Il y a dû avoir un arrivage, soit hier ou avant-hier, soit tout juste ce matin. Donc du coup, j'ai fait la razzia. Parce que je vais organiser un concours. Donc tout ce que vous voyez là, que vous allez voir dans ma vidéo, ce n'est pas pour moi. Hein. Je préviens tout de suite parce que j'ai vu les yeux effarés de la caissière et j'ai dû lui dire que je prenais pour des copines et des clientes qui se sont dit mais pourquoi elle a dévalisé le rayon? Donc je vais organiser un concours sûrement la semaine prochaine parce que j'ai encore quelques chose à vous préparer que je vais faire main, que je vais réaliser pour vous, en plus des cadeaux que je vais vous offrir. Donc c'est parti, on y va. Donc pour une fois, il y a du hors scrap. J'ai pris des Smarties pour ma princesse qui me réclamait ce matin des Smarties. Elle adore les Smarties. Et je trouve que les toutes petites boîtes à l'unité, là, en petit carton, les petits rectangles, sont pas pratiques parce que du coup, quand elle ouvre, elle court ou elle saute et tout par terre. Donc du coup, j'ai pris carrément des gros tubes que je pourrais leur partager dans des petits ramequins le soir au goûter. Donc du coup, ça va être beaucoup plus pratique. Et mon fils me réclamait des Kinder et j'ai trouvé ça. Apparemment, c'est nouveau. Kinder Happy Hippo. C'est trop mignon. Ce sont des petits hippopotames. On voit les yeux, hein. C'est trop mimi. Il y en a 5 dans la boîte. Sous forme de biscuits avec du lait. Donc, ben, ils me diront ce soir. Mais ça a l'air super bon. Voilà pour les loulous. Ensuite, ben, il y avait dans le rayon de l'entrée. Donc, je pense que c'est dans les nouveautés. Parce qu'ils mettent toujours les nouveautés à l'entrée. Un grand flacon de 750 ml de crème Nivea, douche et bain. Du coup, je ne sais pas du tout si c'est la contrefaçon ou si c'est la vraie crème Nivea, hein, mais j'adore l'odeur de la crème douche Nivea. Donc du coup, hop, en réserve. Et j'ai trouvé cette jolie glace. Comme ça, vous allez vous voir dedans. Et il me manquait une petite glace dans mon sac à main. Je le trouvais trop mimi. Toute petite, toute ronde. Donc, hop, pareil, c'est pour moi. Niveau alimentation, enfin, qui ira dans ma cuisine, j'ai trouvé ce dessous de plat. Ils appellent ça déco-plateau, eux. Il est super parce qu'il fait 36 cm. Moi, j'en avais un tout petit, mais qui commence à perdre sa paille sur les bords. Et du coup, celui-là, il est super grand pour pouvoir poser les grosses cocottes minutes et tout. C'est génial. Donc, celui-là, hop, dans la cuisine. Et sinon, j'ai pris des baskets. Donc, ouais, pour vous dire, j'ai acheté chez Action comme ça, sur un coup de tête. Et elles sont pas chères. Je crois que c'était 7 euros et quelques. Et surtout, moi, je ne suis pas du tout marque Adidas, Nike et compagnie. Payer des baskets 100 euros, je n'en vois nullement l'intérêt. On marche par terre comme tout le monde, hein. Donc, du coup, j'ai pris celles-ci. Donc, elles sont grises. Et elles sont pailletées. Je sais pas si vous allez voir, en fait. Mais je pense que oui. Et elles ont des lacets qui brillent, pailletés. Donc, je les trouvais trop belles. Elles sont sympas. Et avec le... Ici, elles ont un pourtour, là. Voilà. Donc, ce sont des petites tailles. Je vous préviens tout de suite. Je chausse du 35. Donc, c'est pour ça que j'ai, dans un sens, la chance de pouvoir trouver des choses qui ne se font pas en grande taille. Et j'ai pris celle-ci. Et celle-ci, coup de cœur. Parce que déjà, c'est un rose. Un vieux rose. Et en plus, elles sont de la dentelle. Alors, je sais pas du tout comment ça va ressortir au niveau de la caméra. Donc, elles ont de la dentelle ici. Et elles ont de la dentelle tout le tour ici. Là, elles sont brillantes. Un peu rose gold. Avec des lacets roses. Voilà. Donc, pour le printemps. Qui devrait arriver un jour ou l'autre, hein, on continue d'y croire, mais en tout cas pour le printemps, ben voilà, je suis chaussée. Et ensuite, niveau scrap, attention, hein, poussez pas un cri, hein. Je vous ai prévenu, tout n'est pas pour moi. Donc j'ai repris ça que j'avais trouvé la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais pris les derniers et là, ils ont remis. Donc du coup, ben, je vous avais déjà montré, mais je vous montre vite fait les feuilles. Donc j'ai pris 3 pochettes, 4 pochettes, je ne sais plus combien j'en ai pris à la base. Voilà, 4 pochettes. Donc pour moi, mon concours et mes amis. Et des fleurs.
Donc le concours très bientôt. Il pourra peut-être y avoir un lot, deux lots, trois lots, je ne sais pas. À voir. Ce qu'il y avait la semaine dernière aussi, ce sont les fleurs en résine. J'ai vu qu'elles avaient beaucoup plus dans ma vidéo, que certaines n'avaient pas réussi à les avoir. Je les ai retrouvées, donc du coup, bah, il y aura peut-être une d'entre vous qui aura la chance d'en gagner peut-être plusieurs lots ou un lot, où je partagerai, je verrai la semaine prochaine. Donc j'ai repris des roses et par mes violettes de paquet. J'ai repris des saumons corail et rouges et des vertes. Trois teintes de vertes. Elles sont vraiment trop trop belles, donc du coup ça me faisait plaisir de vous gâter. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je referai un lot concours avec toutes les modalités, tout ça de participation. Ça, c'est nouveau, je ne l'avais pas vu, je trouvais ça trop trop chouette aussi. Donc du coup, bah, j'ai pris pour moi, puis pour aussi le concours, et puis on verra quoi. Donc en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 6... 6 décos, je pense que j'ai tout, franchement, parce que je pense que c'est arrivé... tout de suite dans le magasin. Donc ce sont des glitter foam stickers, donc des stickers autocollants mais pailletés avec un fond incolore. Donc c'est ça qui est génial quoi, il peut resservir. Celui-ci j'ai adoré en plus avec l'image du cactus. Donc celui-ci est dans les tons gris. Il y a celui-ci, Aline, il m'a fait trop penser à I2. Tu trouves pas, lui ressemble? J'espère que tu regarderas ma vidéo, on dirait I2. Franchement, j'ai pensé à toi direct. Donc celui-ci, bah oui, je l'ai pris en double aussi. Franchement, il va trop au chien de Aline, ça c'est clair. Celui-ci, alors celui-ci, ce sont des lamas. Franchement, ils ont deux ces têtes. Ils sont trop beaux. Avec, non, donc ceci plutôt doré. Ceci rose. Ah, celui-là est trop mignon. Le petit pingouin, là, est trop piou-piou celui-là. Trop beau. Donc je verrai, hein, mais je pense qu'il n'y a que le tour qui se décolle. Mais après, à voir si le motif de l'intérieur se décolle aussi avec, à voir. Celui-ci en blanc, hein, celui-ci est beau aussi. Avec un oiseau qui se prend pour un indien. C'est des cactus, il est trop beau. Et celui-ci en rose fuchsia avec le petit chat et le petit flamant rose. Donc pareil, j'ai tout pris en double. Hein. Ça, à la caisse, en plus, j'avais tout déballé, j'avais pas fait attention, parce que des fois, on met par tas, et puis en fait, ils prennent pas par tas pour passer, par exemple, x10. Donc là, j'ai pas mis par tas, et du coup, la pauvre caissière s'est amusée à tout compter, elle me dit, il y en a combien, je n'avais aucune idée. Niveau déco, embellissement. Donc, après les métals et les résines, j'ai trouvé des gemstones. En fait, ce sont des petites demi-perles pailletées. Donc pareil, j'ai dû prendre toutes les sortes que j'ai trouvées. Donc 1, 2, 3. J'en ai trouvé 5. Il me semble qu'il y en a une que j'ai pas pris, qui ne me plaisait pas trop. Il y en a peut-être 6. Donc celui-ci qui a du rouge, du violet, du bleu, du vert. J'aime beaucoup ce vert. Et il y a 3 lignes aussi de demi-perles or. Toutes petites. Petite pyramide. À chaque fois, donc à chaque fois j'ai pris 2. Il y a celui-ci dans les tons gold, silver et rouge. Là, les demi, enfin les petites pyramides au milieu, c'est pareil, c'est gold, silver et rouge, ça change de l'autre. Là, vert, gold et rose, pareil, il y a 3 choix de demi-perles. Je trouve ça sympa parce que franchement, les demi-perles du milieu sont super sympas. Celui-ci en fuchsia, rouge et vert, donc c'est décollé là. Voilà, et le dernier il est beau aussi, avec du turquoise, du vert et du rose. Il y a 48 embellissements dedans, donc du coup ça en fait quand même pas mal. Pareil à vous offrir. Et ensuite, donc là, ça par contre je l'ai pris pour moi. Je ne suis pas sûre de les avoir, franchement, j'ai hésité. Mais je ne pense pas avoir ce motif avec les fleurs. Si je l'ai, je vérifierai de façon avant d'ouvrir. Si je l'ai, il sera offert au concours. Et celui-là, pareil, je ne me rappelais plus du tout. Je sais que j'ai pris ces tampons il y a un mois à peu près, mais je ne me rappelais plus du tout. Et j'ai bien aimé les ballons avec les cœurs et puis le Happy Birthday to You. Et je ne suis pas sûre de l'avoir non plus. Avec les étincelles là à côté, je ne sais pas du tout. Donc ce sera une surprise si vous les voyez dans mon concours. Et ça, bah, c'est une nouveauté qui est arrivée ce matin, parce que j'y suis allée l'autre jour et elle n'y était pas.
Donc, ce sont des tampons avec des dies, hein, clear stamp. Ils sont trop, trop beaux. 1,99 il me semble. Ils sont trop beaux. Donc, vous avez des fleurs. C'est pas facile à voir, hein, avec leur plastique. Donc, il y a deux fleurs en dies. Donc là, pareil, j'ai pris deux à chaque fois. Il y a des fleurs comme ça. Plus, celles-là sont plus arrondies, celles-là sont plus pointues. Et là, j'adorerais les feuillages. Les feuillages sont vraiment très, très beaux. Franchement, bravo, Action. J'ai pris celui-ci avec un dice, licorne. Et dessus, c'est des belles licornes. Elles sont trop belles, franchement. Quand je les ai vues, je dis, tiens, pour une fois, j'ai une nouveauté tampon parce que je n'arrive jamais, enfin. En général, j'arrive jamais et j'arrive jamais à repérer quel jour le camion vient parce que ça change tout le temps. Donc là, c'est thème petit chat. Donc pareil, j'en ai pris deux. Voilà. Et le thème papillon. Celui-là, il est trop beau. J'aime beaucoup les papillons. Donc du coup, j'en garderai certainement pour moi. À voir. Et à voir si j'ai le temps d'y retourner ou pas. Donc voilà, vous savez tout. Donc surtout, surveillez bien ma chaîne. De toute façon, ce sera avant jeudi parce que je pars en clinique jeudi, je me fais opérer. Donc du coup, je placerai le concours en ligne avant jeudi. J'aimerais bien pour le 1er avril. Comme ça, je vous laisserai un mois pour y participer. De toute façon, on verra. Et surveillez bien, j'offrirai pas mal, un gros lot parce que franchement, j'ai dépassé les 1500 abonnés. Donc j'offrirai un gros lot et il y aura certainement tout ce que vous avez vu là. Plus bien sûr, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.